Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit, elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère, pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Vous ne voulez pas autre chose, plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits? Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Tenez, voilà des bonbons. Des bonbons! C'est bon, c'est sucré. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. Ça va aller, mon garçon. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien, d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci.